Aujourd'hui, c'est important parce que je suis dans ce système-là, agriculteur de conservation. C'est important en plus année de création du label. Hein, donc je pense qu'il faut porter un peu les valeurs de l'agriculture de conservation au maximum auprès du public, auprès des professionnels, auprès des instances politiques, agences d'État et autres. Ce sera pour nous une belle reconnaissance de notre travail depuis, pour certains, 2 ans, 5 ans, 10, 15, 20 ans pour d'autres. Ben, ce label, pour moi, il est important parce que ça fait 4 ans que j'essaye de le valoriser sur les marchés tous les jours auprès de professionnels, les boulangers et autres. Et c'est compliqué parce qu'on n'était pas vu par la majorité des gens, des professionnels. Bonjour à tous, je suis François Mandin, agriculteur dans le sud Vendée à Luçon, et je suis heureux de vous accueillir en tant que président de l'APAD, l'association pour la promotion de l'agriculture durable, qui organise cette conférence. Pourquoi pas venir aussi dans nos fermes nous rendre visite, et retenez bien ce logo que vous allez voir maintenant circuler. Merci.